Bonjour tout le monde. Alors, je fais une vidéo pour un haul. Alors, je tiens déjà à remercier ma babou qui, pour mon anniversaire, donc m'a acheté la caisse en bois, une caisse toute simple en bois, mais trop mignonne, et celui-ci, ainsi qu'un bon d'achat auquel j'ai pu acheter donc ce qui va suivre. Donc voilà. Donc, je tenais à la remercier en vidéo. Donc, elle m'a acheté celui-ci. Moi, je me suis repris le rose. J'ai vu le rose. Donc, ils sont sympathiques. Après, il me fait passer à un papier qu'on avait déjà. D'ailleurs, il va falloir que je scrape un peu plus parce que j'ai plein de blocs de papier. Il faut que je les écoule maintenant. Donc, absolument. Les plus anciens. C'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois, j'écoule les plus anciens pour après utiliser les plus récents. Enfin, bref. Donc, je me suis pris 4 planches de stickers que je n'avais pas. Il y a celle-ci. Alors, je crois que c'est 99 centimes les planches de stickers. Et ça, c'est 2,33 € ceux-là. Donc voilà, j'aime beaucoup là. Ça, c'est trop trop beau, ça. Magnifique. Ça fait vraiment automnal et hiver. Voilà. Ça fait les deux. J'aime beaucoup. Il va falloir que je mette, par contre, on m'a dit pour faire les albums, les présentations et tout, de tourner la caméra, parce qu'apparemment c'est assez. Pour vous, en fait, c'est pas très pratique. Donc il faut que je voie si je peux mettre ma caméra de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez voir en même temps ce que je fais, en fait. Donc voilà. Enfin bref. Et après, les nouveaux blocs. Donc, les nouveaux blocs, il y a celui-ci. Alors, ça, c'est en fait, je me suis plantée. Bref, je vous dirai après pourquoi. Il y a celui-ci, et j'en ai trouvé qu'un, et je voudrais un deuxième de celui-ci, les couleurs pastel, j'adore. Je ne les ai pas beaucoup vus encore sur. Enfin, même sur toutes les. J'avoue, sur YouTube et tout, j'ai vu juste deux, trois personnes qui les ont mis. En vidéo, mais les autres, je les ai pas vraiment vus en fait, donc ils doivent être vraiment être très récents. Celui-là est trop beau, celui-là. Voilà. Et ceux-là, ils sont à 1,99 €. Enfin, tous ceux que j'ai achetés sont à 1,99 €. Donc voilà, enfin bref, donc il y a celui-ci, j'ai pu en avoir qu'un. Celui-ci, c'est pareil, j'ai pu en avoir qu'un seul. Donc ça c'est le basique classique. Voilà. J'adore, il est trop beau. J'aime beaucoup. J'aime bien. C'est très. J'aime beaucoup. Pourtant, je suis pas très noir et blanc, mais j'avoue que j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Alors celui-ci, j'ai mis un coup de cœur. C'est tout ce qui est rétro en plus. J'adore. Années 50 et tout. J'ai l'impression de me voir dans Retour vers le futur avec celui-là. J'adore. Ah ouais, vraiment les années 70. Enfin, j'adore. Je suis entièrement fan. C'est très ensoleillé, enjoué. Enfin, et ça, je le scraperai pas tout de suite. Je pense que ça sera plus au printemps en fait. J'aurais envie de le scraper au printemps. Pas maintenant, mais au printemps. Donc voilà. Donc j'en ai pris deux comme celui-ci. Les autres, j'ai pas pu parce qu'il n'y en avait plus qu'un. Ça, j'en ai pris qu'un parce que j'ai pas trop. J'en ai pris un parce que des fois, j'ai toujours besoin d'une feuille par-ci, par-là, parce qu'il y a des couleurs qui me plaisaient quand même. Mais je suis pas très vert. Mais il est beau quand même. Ça va, il est pas non plus. C'est pas mon. Ah, ben, ça, j'aime bien. Et ça, j'adore. Vous voyez, en les découvrant, ça j'aime beaucoup. Un petit message comme ça peut être très bien pour faire du journaling ou autre. Ça, enfin, je trouve ça chouette. Ça j'aime beaucoup. J'adore. Ça, j'adore. Bon, bref, j'en ai pris qu'un et je vais peut-être regretter finalement. C'est pas grave. Donc celui-là, par contre, j'en ai pris deux. J'aime beaucoup. Par contre, ce vert-là, je préfère ce vert-là. C'est plus dans mes teintes. J'aime mieux. Donc j'en ai pris deux comme ceci. J'aime bien. Ouais, c'est chouette quand même. Hein. Il y a de quoi. Il
du beau boulot. Hop, donc j'en ai pris deux comme ceci. Hop, et après c'est pareil, deux comme celui-ci. Et après, il y en a combien au total? Normalement, il y en a 6 dans chaque collection. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est parfait, j'ai les 6. Hop. Bon, après, il y a des collections que je n'aime pas, que je n'achète pas. Donc, ça m'est déjà arrivé pour les ceux à 2,69. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas acheté. Donc, voilà. Là, pour l'instant, ceux à 2,69, c'est toujours les mêmes et je ne les aime pas. Il y a le vintage là avec. Je ne les aime pas. Donc, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est trop beau. Ça, il ira bien en cette période-là. Ça fait un petit côté hiver à passer, même les fêtes de fin d'année. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, un côté hiver, voyez. Ouais, celui-là, il serait bien pour cette saison. J'ai peut-être le scraper, celui-là. J'aime bien. Superbe. Donc voilà, donc j'en ai deux comme ceci. Et puis c'est tout. Ma foi, ça fait déjà pas mal. Donc voilà, des fleurs, ils ont toujours pas remis. C'est pas le moment encore d'acheter des fleurs de toute façon. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, je mets ça ici. Et ça, c'est ce que je me suis trompée. Enfin bref. Donc du coup, sur ce, cette vidéo-là apparaîtra, je pense, demain. Donc ça sera samedi. Et là, je vais préparer une carte de Noël. Donc ça sera plus vers lundi. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et ciao, ciao. Bon week-end.